Moi, je ne suis pas juriste, je suis philosophe. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, je pense que le droit est amené à se poser des questions philosophiques. Et la question de la désobéissance civile est effectivement peut-être la question la plus philosophique du droit, puisque ça pose celle du droit naturel du rapport du droit naturel et du droit positif. Et dans le cas qui m'intéresse, puisque j'ai écrit donc un roman, c'est-à-dire sous forme romanesque, j'ai reconstitué la vie de l'archevêque de Toulouse, qui était Monseigneur Saliège, entre juin 40 et novembre 42. Alors, ce personnage, il s'est illustré par ses prises de position et par l'évolution aussi de ses prises de position par rapport au gouvernement de Vichy, et plus particulièrement en août 42, à travers ce que j'ai appelé une protestation et qui est en fait une lettre pastorale que cet archevêque toulousain a écrite et donné l'ordre à tous les curés du diocèse de lire sans commentaire le dimanche suivant, une lettre pastorale qui dénonce le traitement fait aux populations juives et la persécution et les déportations qui commencent en août 42, la fameuse livraison des Juifs aux Allemands. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est essayer de comprendre comment un prince de l'Église, donc qui est du côté de l'autorité, du respect de l'autorité, qui reconnaît et qui affirme son affiliation à l'autorité de l'Église et son amour de l'Église, à une époque où l'Église est, de manière nette et affirmée, péténiste. Et elle est péténiste, pourquoi ? Parce que, je ne vais pas vous rappeler l'histoire, mais en juin 40, les nazis ont envahi la France, et ils s'arrêtent avant de terminer cette conquête, parce qu'un armistice est proposé et signé par un gouvernement qui se constitue à partir des restes de l'Assemblée nationale d'avant cette invasion, qui se constitue à Vichy. Et ce gouvernement va être constitué à partir d'une loi qui s'est appelée loi constitutionnelle, qui est celle du 10 juillet 40, et qui donne au gouvernement et au maréchal Pétain les pleins pouvoirs, la totalité des pouvoirs, et qui énonce le fait que ces pouvoirs vont être constitutionnellement affirmés et développés dans des lois à venir, et il y aura une succession de lois qui de 40 à 42 vont essayer de préfigurer cette constitution qui pourtant n'aura jamais lieu. C'est-à-dire ce qui permet, encore donc une petite incise et un problème juridique, ce qui permet justement à De Gaulle, qui lui refuse l'armistice et de reconnaître la défaite face aux nazis, à De Gaulle, qui est donc parti à Londres et qui affirme une autre France en face de celle de Vichy, qui est la France libre, de dire, ça lui permet de dire que cette loi est illégitime et que donc le vichisme et l'autorité de Pétain affirment de fait et posent de fait un État, mais est-il légitime au regard de la République française ? Et de fait, l'État pétainiste
le gouvernement pétainiste sera l'État national et non pas la République française. C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être, d'un point de vue juridique, ce sont des questions que je vous laisse vous poser, avoir d'abord une loi qui abolisse la Constitution de la République, hein, et notamment un certain nombre de ses articles qui ne permettent pas de modifier la Constitution à son gré pour prendre les pleins pouvoirs, avant de pouvoir instituer une nouvelle Constitution. Alors cette question de la légitimité, dans le détail, je ne la développerai pas parce que je ne suis pas justement un spécialiste du droit, mais par contre, elle est très intéressante pour ce qui est de notre personnage. C'est qu'on a, en fait une Église catholique de France qui est invitée par le gouvernement de Vichy à donner ses idées, à participer, à aider le redressement de la France. Alors que vont dire les autorités catholiques? Elles vont dire, pour une fois, ça fait 40 ans que le gouvernement laïque est anticlérical, et tout d'un coup, voilà un gouvernement, bien que Daladier avait commencé à cesser, en quelque sorte, cette tradition anticléricale des gouvernements français, mais... Tout d'un coup, un gouvernement s'installe, même si c'est dans la défaite, qui demande le concours de l'Église, qui demande qui tient compte de l'organisation de l'Église et de ses souhaits concernant notamment l'éducation, c'est-à-dire l'école libre, etc. Donc, l'Église de France a tout intérêt. Tout intérêt à être pétainiste. Et d'abord parce qu'elle est demandée, et ensuite parce que il y a un certain nombre de ces souhaits qui sont pris en compte, et on verra que dans l'histoire de Vichy, un des plus importants, c'est le financement de l'école libre, entre guillemets, c'est-à-dire de l'école catholique, et que cette manne, hein, qui va être donné à l'Église pour ce faire, participe quand même de manière assez importante, à mon avis, de l'amitié qui a uni le maréchal Pétain et le primat des Gaules, le cardinal Gerlier de Lyon. Alors, cette amitié de l'Église et du pouvoir, c'est un renouveau, hein, parce que depuis qu'il y a eu la confiscation, hein, des biens, etc., le politique et le religieux en France sont séparés, et ça ne marche pas entre eux, d'autant plus qu'il y a la tradition radicale socialiste, qui est une tradition anticléricale, etc. Alors, l'État national de Vichy va s'instituer, en mettant en avant des valeurs qu'elle prétend issues du christianisme, hein, du catholicisme, etc., et valeurs qui sont en même temps des valeurs politiques très marquées du côté de l'extrême droite, en fait, puisque on a énormément d'anciens membres de l'Action française, des Croix de Feu, de tout ça, qui font partie du gouvernement et qui s'entendent finalement assez bien avec d'anciens radicaux socialistes, voire quelques SFIO et sinon d'anciens communistes. Alors, ce qui fait que on a un gouvernement qui fonctionne parce qu'il institue quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire un pouvoir absolu, un pouvoir totalitaire. Et en tout cas, il le prépare. Et là, la personnalité de Saliège fait que, au niveau de son autorité à lui, qui est celle du diocèse de Toulouse, et à l'époque, un évêque ou un archevêque, c'est vraiment le roi chez lui, quoi. C'est-à-dire que après le pape, sur le diocèse de Toulouse, le maître, c'est Saliège.
Ors à Liège, cet archevêque, il a été nommé à Toulouse par Pie XI, par le pape Pie XI. Le pape Pie XI qui, dans les années 20, s'aperçoit que l'Église de France est infiltrée, en quelque sorte, par l'action française. Or, le pape Pie XI était un de ces papes qui prônait la réconciliation, c'est-à-dire la réconciliation avec la République et, en fait, la reconnaissance, en quelque sorte, par l'Église des valeurs démocratiques. Et cette entrée de l'action française dans l'Église de France inquiète Pie XI, qui donc va changer quelques têtes, hein, et nommer de nouveaux évêques. Et Saliège est un archevêque qui naît dans ce mouvement, parce qu'il n'était pas, c'était pas un pasteur, c'était un prof de morale. Et c'est assez important parce que ça veut bien dire que son souci, lui, était plus une question de foi et de morale qu'une question de politique religieuse et de politique dans un diocèse. Mais c'est quelqu'un qui est un... C'est un Cantalou, c'est un homme du Cantal, c'est d'origine paysanne. Il a un côté paysan et Pardon ? C'était Pie XI. Pie XI, oui. C'est Pie XI. Léon XIII, c'était avant. Léon XIII, c'est celui qui commence la transformation, en quelque sorte, de l'Église par rapport à la République. Léon XIII commence à reconnaître le social, à reconnaître l'exigence sociale, etc. Puis, pour ce qui est de Pie XI, c'est vraiment reconnaître enfin la République et pacifier les relations avec la République et reconnaître en fait on pourrait dire les droits des associations, la nécessité des associations, la nécessité du social. C'est Pie XI qui va être le promoteur de l'action catholique. Et l'action catholique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les catholiques s'investissent, s'engagent dans le social, donc s'engagent d'une certaine manière dans la politique, même si l'idée est toujours de dire que le social n'est pas la politique. C'est-à-dire donc que l'action catholique va essayer de contrer, en quelque sorte, le communisme, hein, et toutes les revendications sociales qui sont incarnées par les partis communistes et les syndicats communistes qui se développent, en essayant de défendre, je dirais, les mêmes causes, hein, c'est-à-dire le bien-être et la diminution le bien-être des travailleurs et la diminution de l'exploitation, mais par d'autres moyens. Et surtout dans un autre but que la dictature du prolétariat, évidemment. Donc le Pie XI est un pape qui voit assez mal s'installer l'action française, et Saliège, il le choisit parce que c'est quelqu'un qui, depuis toujours, avec une certaine indépendance d'esprit, a affirmé que la séparation de l'Église et de l'État, c'est très bien. Parce que ça a obligé l'Église à revenir à sa pauvreté initiale. C'est-à-dire, et ça, il l'écrit en 1905. Il l'écrit dans la montagne. Et à travers une petite scénette qu'il invente d'un curé dans un compartiment de train en train de parler avec des gens. Et donc Saliège est quelqu'un qui prend, d'abord, qui a tendance à prendre l'Évangile au mot et qui en fait des préceptes moraux, c'est-à-dire que l'Évangile, ça engage la foi et la foi engage la morale. Et dans les années 20, Saliège, qui était encore donc prof de morale à Saint-Flour et recteur de Saint-Flour, fait même une homélie
à Rodez, où il somme les bourgeois de Rodez de payer plus leurs femmes de ménage. Donc, ce qui dénote un petit peu le style du personnage, le caractère du personnage et son désir, son souhait que la foi ne soit pas une abstraction ou quelque chose de privé, mais soit engagée dans le monde. Alors, cet engagement dans le monde, c'est important parce que quand on parle de désobéissance civile, ça veut dire qu'on prend position et qu'on prend position dans le monde de manière très marquée, puisque cette prise de position engage éventuellement le fait d'accepter d'être dans l'illégalité. Et cette prise de position, elle se fait au nom de valeurs qui se présentent comme supérieures, en quelque sorte, aux valeurs défendues par le pouvoir et par l'organisation juridique qui naît du pouvoir établi. Alors, ces valeurs, pour un chrétien, évidemment, ce sont les valeurs de l'Évangile. En tout cas, pour un chrétien qui veut réellement l'être, ou en tout cas qui a réellement la foi. Or, l'Action française, c'était une organisation politique qui était extrêmement admirative de l'Église, mais beaucoup moins pour ses valeurs que pour son organisation. L'Action française admire l'Église parce que l'Église a inventé cette chose extraordinaire qui est l'empire des papautés, quoi. C'est-à-dire l'organisation totale de l'Église qui a donné son universalité, entre guillemets, à l'Église catholique et romaine. Et le royalisme des gens d'Action française a toujours adopté, en quelque sorte, les valeurs organisationnelles de l'Église et a toujours admiré l'Église. En réalité, le message évangélique, le message christique qui, semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire, doit être porté par le catholicisme et l'Église catholique, c'est-à-dire le message qui est un message qui n'est pas loin parfois de friser une forme d'anarchisme. Si on lit en tout cas les évangiles, c'est parfois un petit peu difficile quand on dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et quand on dit qu'il faut en quelque sorte toujours en référer à sa conscience et à Dieu plutôt qu'à l'autorité publique, puisque le chemin du Christ n'est jamais qu'une forme de déni ou en tout cas de séparation par rapport aux pouvoirs institués et aux autorités. Alors, le message évangélique, c'est un message pour le dire très vite et pas entrer dans les détails, le message d'amour, de bonté. Donc derrière, il y a éventuellement cette idée d'égalité de tous devant Dieu, etc. Donc ces idées-là, elles n'intéressent pas trop l'Action française qui va chercher chez De Maistre, etc., une forme de naturalisme qui justifie la hiérarchie, qui justifie qu'il y ait des nobles et des non-nobles, etc. Ce qui n'existe pas dans les textes évangéliques proprement dit. Et c'est là qu'on voit comment, en passant, une sorte le droit naturel, c'est-à-dire la conception qu'on se fait du droit naturel, influe sur la façon dont on voudrait modifier, faire évoluer le droit positif. Le rêve totalitaire et royaliste, on dira royaliste pour être gentil avec les gens d'Action française, bien que je pense que le royalisme, une fois que le roi est mort, ne peut être qu'un totalitarisme. Mais bon, le royalisme de l'Action française, c'est fondé sur une conception du droit naturel. De la même façon que
le républicanisme se fonde sur une conception du droit naturel qui est celle du contrat social, développé par Hobbes, le philosophe Hobbes, et ensuite développé par Rousseau, qui va être cette espèce de fiction qui va permettre d'affirmer les droits humains, c'est-à-dire cette fiction qui veut que si la société existe, c'est parce qu'il y a il y a un accord juridique qui la crée, en quelque sorte, même si cet accord juridique, ce contrat, n'est qu'une projection, qu'une potentialité. C'est un principe qui est posé pour permettre de développer et de comprendre l'égalité devant la loi et ce qui va permettre de développer ce qu'on appelait les déclarations des droits de l'homme. Alors, ceci pour dire que notre personnage, ce qu'il a d'intéressant, le Saliège, c'est qu'il a une très haute idée de ce qu'elles sont les droits et devoirs de l'homme. Et cette très haute idée, il la tient de sa qualité de chrétien, de catholique, et il la défend dans son autorité même de prince de l'Église, c'est-à-dire d'outil de l'Église elle-même. Hein. Il est nommé à Toulouse vers la fin des années 20. Il est nommé pour justement essayer de rétablir un diocèse qui soit ouvert aux valeurs de la République plus qu'aux valeurs de l'Action française. Il le fait très bien avec quelques erreurs qui lui attirent des inimitiés, mais comme c'est un paysan et qu'il a à la fois ce sens du contact humain, hein, il était, je crois, très 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 apprécié, très 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 écouté, et il est en même temps il est obtus, c'est-à-dire quand il a une idée derrière la tête, il la lâche pas, et puis il est capable d'être autoritaire, c'est-à-dire quand il pense que les valeurs sont en jeu. Et qu'il n'y a plus à discuter devant l'évidence des valeurs. Ce côté autoritaire participera sans doute du fait d'oser, en quelque sorte, s'élever contre le pouvoir de Vichy, contre le politique, à travers la lettre pastorale qu'il écrit en août 42. Alors, cette lettre pastorale, son opposition et sa lucidité sur le gouvernement de Vichy, elle n'est pas née comme ça. En général, de toute façon, la désobéissance civile, puisque c'est la thématique qui innerve cette conférence, la désobéissance civile, si on voit son promoteur premier, en quelque sorte, hein, qui est Henri-David Thoreau, que si vous n'avez pas lu, je vous recommande, surtout d'ailleurs un petit texte qui est appelé sous ce titre et que vous pouvez trouver facilement sur Internet. La désobéissance civile, c'est ce personnage, Henri-David Thoreau, qui un jour décide de ne plus payer ses impôts à un Américain. Hein, ça se passe au Massachusetts en 1850. Il décide de ne plus payer ses impôts parce qu'il est contre la guerre avec le Mexique et contre l'esclavage. Et il dit, je ne reconnais pas cette société qui fait la guerre au Mexique et qui est esclavagiste. C'est-à-dire que la désobéissance civile, c'est l'affirmation de valeurs qui ôte sa légitimité à la légalité. Et en ce sens, l'individu, pour Henri-David Thoreau, est justement celui qui doit toujours privilégier la question de la justice sur celle du droit. Et alors, ça veut dire qu'on n'en a jamais fini avec la justice. Et que, d'une certaine manière, il n'y a pas de droit à la révolte, mais il n'y a de droit que parce qu'il y a de la possibilité de la révolte.
C'est-à-dire que parce qu'il y a la possibilité de l'objection de conscience, que parce qu'il y a la possibilité de la désobéissance. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette possibilité-là qui pose la question de la justice, c'est-à-dire de la légitimité. Et une société évolue, le droit positif n'évolue que parce qu'il y a la question de la justice qui se repose. Quand on décide, par exemple, de supprimer la peine de mort, derrière, il y a une question de légitimité, de justice, qui dépasse la question du droit au départ, puisque la peine de mort existait, sa suppression pose une question de valeur, donc de justice, qui dépasse la limite, en quelque sorte, du droit positif, en faisant appel à des valeurs soit religieuses, soit humanistes, etc. Donc, à une certaine conception de la nature humaine. Avant de revenir sur l'évolution, parce que c'est intéressant de voir comment un homme d'Église, donc, qui représente l'autorité de l'Église, en vient à s'opposer au gouvernement qui est en accord avec, ou en tout cas qui entretient les meilleures relations qui aient existé depuis près d'un siècle avec l'Église de France. Je veux juste vous lire cette fameuse lettre pastorale, puisqu'on en parle et qu'on en reparlera, et vous la lire parce que les idées de droit naturel et tout ça, elles sont dedans. Elles sont dedans et elle constitue en elle-même une matière à réflexion sur le rapport entre le droit naturel et le droit positif, entre le pouvoir et la conscience, entre la loi et la liberté individuelle, etc., etc. Cette lettre, donc, elle a été dite par les curés du diocèse de Toulouse le 23 août. Et elle a été écrite le 20 août par Saliège lorsqu'il apprend, et il l'apprend par une jeune femme qu'il avait embauchée quelques mois précédemment, et qu'il avait embauchée, c'était une femme qui était prof d'histoire à Gaillac, et qui s'est fait renvoyer pour propagande antinationale. Et elle s'est fait renvoyer on lui a retiré ses diplômes, on lui a interdit le passage de l'agrégation pour toute sa vie, et elle a fait 8 jours de prison, parce qu'elle distribuait les journaux qui commencent à apparaître, que son combat, etc. Et cette jeune femme, qui se trouve sans rien, était venue voir Saliège, et surtout par l'intermédiaire d'un ami de Saliège, qui était un catalan, qui était l'architecte du diocèse, en quelque sorte, et qui intervient auprès de Saliège en lui disant, demandant de voir s'il n'y a pas quelque chose à lui faire faire. Et Saliège, justement, cherchait quelqu'un pour aller dans les camps, parce que toute cette histoire, c'est aussi une histoire de camps, et une histoire de camps de concentration. Mais de camps de concentration, c'est comme ça qu'on les appellera après, mais pour l'instant, on les appelle des camps de réfugiés. Et aujourd'hui, ça peut peut-être nous faire réfléchir aussi sur des camps qui existent et qu'on appelle aussi des camps de réfugiés. C'est-à-dire sur la possibilité de ce que ça peut devenir. Parce que les camps, donc ces fameux camps de réfugiés, ont été multipliés sous Vichy, dans toute la zone sud, pour accueillir, on pourra dire que cet accueil deviendra de plus en plus parcage, les juifs et les réfractaires. Les juifs, d'abord tous ceux qui sont virés par les Allemands, parce que les nazis au départ envoient vers la zone libre tous les juifs de Bade-Württemberg, etc. Ils envoient 18 à 20 000 juifs comme ça en train entier, et ils les lâchent dans la zone sud parce qu'ils veulent libérer
leur région de la Saxe et du Bade-Württemberg, des libérés des Juifs. Et ces Juifs sont accueillis d'abord dans le camp de Gurs, qui est un gros camp dans le Béarn, qui avait été créé pour accueillir les réfugiés espagnols, puisque juste avant, il y a eu la guerre d'Espagne et Franco qui a gagné, hein, parce que il faut le savoir, toutes les démocraties occidentales n'ont rien fait, n'ont pas aidé. Et Franco a gagné et des dizaines de milliers de républicains débarquent en France. Et on les parque, vous savez qu'on en a parqué pas mal, sur les plages vers Collioure, Banyuls, tout ça, et surtout à travers cet énorme camp qui s'est installé, qu'on a ouvert dans le Béarn, et qui est le camp de Gurs. Et donc, tous ces juifs qui vont être considérés, selon l'expression administrative, comme en surnombre dans l'économie nationale. Donc, vous voyez que si on excluait à ce moment-là, on excluait déjà au nom de l'économie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le nouveau, hein, aujourd'hui, quand on nous explique qu'il y en a qui viennent bouffer le travail, etc., qu'ils n'ont pas les... S'ils viennent travailler chez nous, on n'est pas les bienfaiteurs de la terre, etc. Enfin, toutes ces idées-là, elles existent déjà. Et là, donc, ces juifs en surnombre, on va les parquer. Avec les réfractaires, évidemment, parce que le système de Vichy s'installe comme un système qui cherche à d'abord qui édicte des lois très, très fermes, et ensuite qui cherche à contrôler au maximum tous les citoyens, et qui va développer une police et un type d'organisation qui sert à ça, qui est un type d'organisation dans laquelle le relais du pouvoir, c'est-à-dire du maréchal Pétain, est directement les préfets. Le préfet est sur sa zone préfectorale à peu près l'équivalent de l'archevêque sur son diocèse, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Une affirmation claire de tous ces pouvoirs, ça va être le serment d'allégeance à Pétain. C'est-à-dire que les préfets vont prêter serment à Pétain. C'est-à-dire que le pouvoir en France, c'est Pétain, préfet. Et le reste, ce sont les moutons. C'est-à-dire ceux qui doivent obéir. Et donc, cette lettre, quand Saliège va l'écrire, il l'écrit parce qu'il vient d'apprendre, par cette jeune femme qu'il a envoyée dans les camps, parce que c'était créé deux camps à côté de Toulouse, qui était le camp du Récé-Bédou et le camp de Noé. Cette jeune femme, il l'avait envoyée à Gurs, il l'avait envoyée à Rivesaltes. À Rivesaltes, il y avait un camp où, à l'ouverture de ce camp, il a été vendu, en quelque sorte, par Vichy comme étant un camp pour permettre le rapprochement familial des Juifs. Bon, on sait que le premier hiver du camp, il y a 600 bébés qui meurent dans ce camp. Donc, le rapprochement familial, c'est bien. Toujours est-il que des camps comme ça se multipliaient. Il y avait le Vernet qui, lui, était un camp en Ariège, qui était plutôt le camp disciplinaire. Donc tous ceux qui ne marchaient pas trop droit déjà dans les camps, ils allaient là-bas. Et puis après, les politiques, on avait tendance à les mettre là-bas. Et autour de Toulouse, il y avait ces deux camps, le Récé-Bédou et Noé, qui, eux, ont été créés pour essayer de donner une image, une bonne image à l'opinion publique. Parce qu'on commençait, même en situation de guerre et tout ça, il y avait quand même la Suisse, l'Amérique, tout ça, qui s'inquiétaient du traitement fait aux Juifs, qui étaient des gens qui débarquaient, qui avaient tout perdu en Allemagne, parce que les Allemands, ils viraient tous les Juifs. Ils n'avaient pas encore décidé que la façon de les virer, la plus simple, c'était de les zigouiller. Pour l'instant, ils en étaient encore à les repousser. Et donc, le camp de Récé-Bédou et le camp de Noé avaient été créés par Vichy comme des camps Potemkin, comme les Russes qui faisaient des villages Potemkin. On faisait un village où on invitait les journalistes étrangers pour leur montrer l'avenir doré du socialisme et le bonheur des peuples soviétiques. Donc c'était des villages où on faisait du carton-pâte un grand avenir de la société.
Les camps de Noé et Récébédou ont été présentés aux journalistes américains et internationaux comme des camps hôpitaux. C'était pour justement soigner ces pauvres réfugiés qui étaient dans les autres camps et qui n'avaient rien à bouffer et qui crevaient. Donc, ces camps-là, les Toulousains les ont vus s'installer, ou ils les ont vus s'installer avec la propagande qui va avec, c'est-à-dire comme des camps, hôpitaux, où là, on les traitait mieux qu'ailleurs. Et effectivement, il semblerait qu'on les traitait plutôt mieux qu'à Gurs. Mais tout ça s'est évidemment dégradé très rapidement, puisqu'on a découvert après qu'il n'y avait jamais eu de médicaments dans l'infirmerie de ces camps hôpitaux. Donc, au moment, le 8, 9 et 10 août 1942, les juifs de tous les camps, les juifs de tous les camps du sud vont être mis dans des trains et envoyé en zone nord, envoyé aux Allemands. Parce qu'il y a eu un accord qui s'est fait entre la police française et le gouvernement de Vichy et les nazis pour leur donner les juifs. Bon, c'est un accord qui suit le premier grand événement, de la première très grande rafle qui est celle du Veldiv, qui a eu lieu en juillet à Paris, et qui a été organisé et mené par la police parisienne. Donc, il y a un accord pour fournir à Auberg, donc aux Allemands, les Juifs. Donc, le 8, 9 et 10, des gens qui étaient dans ces camps, et notamment beaucoup de vieux, etc., sont obligés de faire 4 ou 5 kilomètres à pied à travers champs sous le cagnard d'août, pour aller jusqu'à la gare de Portet, où là ils sont enfermés dans des wagons à bestiaux. Alors il y a des femmes qui deviennent folles, il y a des hommes qui se suicident, etc. Et cette jeune femme que Saliège avait mis comme assistante sociale dans les camps raconte ça à Saliège. Elle raconte ce qui s'est passé et qu'on les emmène pour une destination inconnue, et où en fait ils se doutent que c'est pour les donner aux Allemands. Et Saliège, là, voit l'inacceptable. Et dans la nuit, il écrit cette lettre qu'il va faire, donc, qu'il va imposer, parce que ça fait déjà quelque temps qu'il demande que l'association des évêques intervienne auprès de Pétain. Il demande qu'on intervienne pour demander que soient respectés les droits des personnes. Mais l'Église ne prend pas parti. L'Église envoie des courriers. Alors, il y a des courriers du cardinal Gerlier à Pétain qui dit que c'est quand même tout à fait inacceptable ce qui se passe, qu'il faudrait que, dans sa grande mansuétude de gagnant de 14-18, il essaye de vérifier qu'on traite mieux les Juifs, etc. etc. Donc, il y a des choses qui sont faites, il y a des associations qui se sont montées. On pourrait parler du comité de Nîmes, de tout ça, des associations qui interviennent dans les camps et qui essayent d'avoir un effet sur le gouvernement. Mais l'Église ne dit rien ouvertement, publiquement. Et Saliège va décider, donc va désobéir, d'abord à l'Église, c'est-à-dire en l'ouvrant quand l'Église ne l'ouvre pas, et ensuite au gouvernement, c'est-à-dire en mettant en cause les lois, qui sont celles qui permettent l'internement, qui permettent la persécution des Juifs et qui permettent, et des Juifs et des autres, et qui permettent les déportations. Et ça, il va le faire à travers cette lettre qui a des accents à la fois prophétiques et en même temps extrêmement précis, très intéressants, notamment en ce qui concerne la question du droit naturel, etc. Je vous la lis. Mes chers frères, il y a une morale chrétienne. Il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Là, on voit apparaître la question du droit naturel. Ils viennent de Dieu, le droit naturel selon les chrétiens. On peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Donc, ce sont, comme l'évoquait tout à l'heure Monsieur Blanc, c'est la transcendance. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Ils sont transcendants. Que des enfants, des femmes, des hommes,
des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Alors là, soudain, Saliège en appelle à quelque chose qui est totalement archaïque, qui est le droit d'asile, qui n'existe plus. Mais donc, pourquoi il fait ça ? Parce qu'il en appelle en fait à un christianisme primitif. C'est-à-dire qu'il en appelle à revenir à la foi première des catholiques, c'est-à-dire au christianisme des catacombes. C'est-à-dire que derrière cette question, déjà, il soulève l'idée qu'il y a une résistance chrétienne nécessaire, catholique, nécessaire. Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Recebedou. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine. France chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes frères, l'assurance de mon affectueux dévouement, Jules Géraud-Saliège, archevêque de Toulouse. Et dans cette lettre qu'il avait transmise à tous les curés du diocèse, qu'il avait fait remettre, il terminait avec « À lire dimanche prochain, sans commentaire ». Donc c'est bien un acte d'autorité qu'il fait et qu'il assume entièrement. C'est-à-dire que c'est en tant qu'individu, et en l'occurrence là, croyant, et en utilisant ses ressources sociales, qui sont celles qu'il est un prince de l'Église, etc., qu'il prend position et qu'il prend position en désobéissant. En désobéissant et à l'Église et au gouvernement. Alors cette lettre va avoir un effet, comme toutes les véritables positions de désobéissance civile, parce que M. Blanc évoquait tout à l'heure les faucheurs, etc. Les faucheurs volontaires ont eu un effet. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y avait un engagement fort. Quand Henri David Thoreau refuse de payer ses impôts, il est mis en prison. Et en fait, il ne sera libéré de prison que parce que des gens de sa famille vont les payer derrière lui. Mais il est mis en prison et il ne veut pas sortir de prison. C'est-à-dire qu'il veut que son acte ait une efficacité sociale et politique. Et dans l'engagement, il y a volonté de l'effet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de poser en personne qui s'engage. Et de ce point de vue, Saliège est un chrétien existentialiste, personnaliste, comme l'était Mounier. C'est-à-dire dans l'idée que pour être un catholique, hein, je vous raconte tout ça, moi je ne suis pas catholique, hein, je vous dis ça en passant, mais pour être un vrai catholique, il faut témoigner de sa foi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aller à l'église tous les dimanches et de dire « moi je crois en Dieu ». Pour Saliège, la foi, c'est la mise en œuvre de l'évangile, c'est l'action catholique. Donc, de la même façon que l'existentialisme athée de Sartre, par exemple, disait, Sartre, il disait quoi ? Il disait, la conception que nous avons de l'homme, de ce que doit être la société, de ce que doit être l'homme, c'est-à-dire finalement quelque chose qui a peut-être à voir avec la question du droit naturel, hein, la question qu'on se fait de l'homme, eh bien, celle-là, c'est-à-dire ce qui est l'essence de l'homme, hein, eh bien, c'est dans notre existence qu'on l'affirme, qu'on l'a fait exister. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a cette idée que l'existence précède l'essence et que l'essence de l'homme se joue dans son existence. C'est-à-dire, ce qu'est l'homme, c'est en s'engageant dans le monde qu'on le défend, qu'on l'affirme. L'homme, il n'est pas défini avant, il se définit dans l'engagement. Alors, chez les existentialistes chrétiens, dont Emmanuel Mounier, qui est passionnant, Mounier, qui donc écrit...
écrit sur la personne, etc., dans ces années-là, dans les années 30, et ensuite continue en 40, et lui aussi est un adepte de la Révolution nationale et de Pétain au départ. Il croit qu'il y a possibilité, effectivement, de redresser, de ramener des valeurs chrétiennes, etc., et il finira en prison. Ici, Saliège, qui a donc cette même notion de l'engagement, et son engagement, il est total, puisque le préfet, la préfecture, apprend l'existence de cette lettre, essaye de l'interdire. Des télégrammes sont envoyés à tous les maires de tous les villages du diocèse, etc., pour qu'ils aillent dans les églises, empêcher les curés de la dire, etc. Et le préfet Chesneau de Léritz, qui était le préfet de Toulouse, convoque Saliège, qui n'y va pas, c'est son plus proche évêque qui y va, et lui fait une véritable explication de texte, juridique en quelque sorte, et administrative de sa lettre, en disant que c'est inacceptable, etc. Et à chaque fois, l'évêque répond en appelant aux droits et devoirs de la nature de l'homme, c'est-à-dire en renvoyant à Dieu, etc. Et donc, c'est-à-dire que cet acte qui est inscrit dans la lettre elle repose toujours sur la mise en perspective de la légitimité qui est celle que octroie la foi et donc l'évangile et la croyance en Dieu. Et quand le préfet va demander que Saliège change les termes de cette lettre, Saliège va accepter seulement deux changements qu'il va changer non sans une certaine ironie, puisque les seules choses qu'il va changer dans la lettre, c'est quand il dit « dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu », il va remplacer « épouvante » par « émouvante ». Et à la fin, quand il dit « France, chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs », il va remplacer « horreur » par « erreur ». Et la lettre reste la même, c'est-à-dire que son pouvoir reste le même, et quand elle sera dite une seconde fois, le dimanche suivant, encore, elle sera dite avec les modifications, mais déjà, entre-temps, elle est renéotypée, elle commence à partir partout, et elle va être publiée en Suisse. À la BBC, Robert Schumann la lit. À New York, Maritain la lit sur les ondes de Radio New York. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, comme une traînée de poudre, elle provoque une prise de conscience de l'Église de France qui, avec une succession d'évêques qui vont faire leur lettre pastorale aussi, Monseigneur Théas à Montauban, Moussaron à Albi, Gerlier lui-même à Lyon, le primat des Gaules, ami de Pétain, qui fait une lettre dénonçant la persécution des Juifs et les déportations, Monseigneur Delay à Marseille, et à partir de ce moment-là, l'acte de Saliège a réussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, la rupture entre l'Église et le pouvoir est consommée. Et c'est à partir de là que l'acte de désobéissance civile qui est celui de Saliège a fait son effet d'histoire et a permis à ce moment-là que tous les chrétiens, je parle là pour les catholiques, pour les membres de l'Église, que tous les catholiques prennent conscience et tous les curés prennent conscience de la situation qui était provoquée et acceptée par le gouvernement de Vichy. Et à partir de ce moment-là, on va voir se développer tout le planquage des Juifs et le planquage des enfants auxquels vont participer énormément, pas que, soyons bien clairs là-dessus, mais énormément de catholiques, de curés, etc. Puisque si vous avez des gens que vous connaissez qui ont 50 qui ont au moins 60 ans aujourd'hui et qui sont juifs, parlez un petit peu avec eux et vous verrez que pour beaucoup, ils ont été à un moment ou à un autre planqués par le curé de tel village, le couvent de Bonne Sœur. Et Saliège lui-même, quand sa lettre pastorale a été connue, a reçu la visite d'un type qui s'appelle Garel,
qui va créer un réseau de sauvetage des enfants qui sera connu comme le réseau Garel. Et Saliège va lui ouvrir toutes les institutions religieuses du Sud pour qu'il puisse cacher les enfants. Voilà, alors c'est une histoire, que j'ai romancé. Dans ce livre que je ne saurais trop vous recommander de lire, puisque en plus il est remarquablement écrit, et que donc vous pouvez trouver aux éditions Nicolas et Balin. Et j'ai essayé ici, dans le cadre de la question du droit, dont je ne suis pas spécialiste du tout, de vous la raconter, et j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux. Merci à vous.